Bonsoir tout le monde, Facebook. Le grand retour de la reine Sika. Le grand retour de la reine Sika. Merci pour les 50 étoiles, Catherine. Ça commence bien déjà. Bonsoir. Quelqu'un qui dit les si on est fâché, on peut abandonner ses abonnés comme ça. Donnez-moi les 1000 partages rapidement, famille. Donnez-moi les 1000 partages rapidement. J'ai mis le chauffage dedans, il y avait froid. Mais il a lancé direct, net, il est chauffé. Bon, là, c'est la sorcellerie. Donnez-moi les 1000 partages rapidement. Lily du bouquin. La Queen Mada est de retour. Zagadou Zagadai. Baby London, la reine Sika. Oui, je suis là. Sonnez les partages. Mettez-moi les étapes. Pas venir trop parler. Vous avez pas quitté, mais font mal. Il y a mal à la tête, il y a mal partout. Voilà. Donc, pompez-moi les cœurs. Aline, c'est tout ce qu'il vous demande. Partagez, donnez-moi les 1000 partages. 1000 partages, je commence à parler. Tranquille. Je vais envoyer une de mes personnes là. Parce que elle, là, si elle a raté mon direct, Folie va la prendre. Yeah. Merci pour les cœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous êtes pressé. Direct avant de commencer où? Direct à... Je suis en direct, hein. Faut pas que tu aies raté, tu as venu pleurer après. Oui, je suis en direct.
Elle a dit qu'elle n'a pas reçu. Si Go l'a raté directement. C'est la maison que tu voulais faire, mon nom. Yeah, ma voisine, ma voisine. Quand je suis là, je dis à la maison, ma voisine. On n'a pas fait de première son de la paillot. Taguez tous les éléments. Taguez tous les éléments. Taguez. Pratique, on va prendre bien. Vous voyez bien de la vanne. T'inquiète, tout le monde, donnez-moi les partages. On a combien de partages? So! On a dit que tu étais en train de On a combien de patates, chérie? On dit c'est une heure de direct. Donc écoute, on a encore tout. Hein? On a combien de patates, famille? À 10 minutes de direct, on commence. À 10 minutes de direct, on commence. On est déjà à 9 minutes. Donc accélérez les patages. Accélérez les patages. Accélérez les patages. Merci. Merci pour les cas. Vous avez vu Facebook, Zuckerberg, il a fait un post. Voilà, Facebook en mode mise à jour et du coup, voilà. Il y a un peu de soucis sur les pages. Chacun essaie de régler parce que maintenant, Facebook, c'est pas gratuit, c'est payant. Bon, nous qui n'avons pas l'argent comme ça là. Excusez-moi. Ils sont en train d'envoyer mes éléments.
J'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau là dans la maison. Ah, pourquoi il faut cette photo? Ça a commencé. Bonsoir peuple de Facebook, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je me sentais pas trop bien et puis j'étais très occupée dans ces derniers temps. Voilà, j'ai décidé de ne pas mélanger ma vie privée et les réseaux sociaux tout simplement, et je ne vous donnerai pas aussi beaucoup de détails. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ça. Désolé mes abonnés, vous m'avez envoyé beaucoup de messages. Le téléphone Facebook il est là, donc depuis plus de 3 semaines il est fermé. 3 week-ends, pas 3 semaines. Dans 2 week-ends et 3 jours, il était fermé. Je ne l'ai même pas encore allumé parce qu'il est déchargé. Je ne sais même pas où il a mis son chargeur. Pourtant, j'ai bien envie que dans ce direct, vous interveniez. Mais hélas. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai la seule hein, à la diaspora ici. Quand je vous dis que je suis la plus belle et la plus sexy hein, de la diaspora africaine ou ivoirienne même. Vous pouvez le constater. Les jolies fesses naturelles. Le ventre bio. Les seins. Bio, voilà, la perruque bio-végétale. Petit ombril sexy bio-végétal. Le teint bio. Là, ils sont en train d'utiliser une gamme en ce moment-là. La gamme est tranchante. Bientôt, vous allez la découvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand c'est que toi disparaît, travaille. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon! Nous allons commencer le direct. Bonsoir, et avant de commencer le live, vous savez qu'il y a une histoire de Sérédier et José. José des bijoux et Sérédier des Aline. Voilà. Avant de rentrer dans le sujet, je tenais à dire merci à mes followers qui ont voté pour moi. Mais ce n'est pas maintenant que je vais dire. Le moment va arriver. On va parler de la télé-réalité, mais ça ne sera pas maintenant. Le moment va arriver et l'endroit va arriver. Pour le moment, je préfère ne rien dire. Vous voyez, non? Ou bien pour le moment, les préfets n'ont rien dit. Ceux qui m'ont soutenu, la liste est là. Ceux qui m'ont abandonné, la liste est là. Mais ce n'est pas le moment. Le moment va arriver. On met ça à côté. Mais quand même, je tenais à dire merci à tous ceux qui m'ont voté. On reste close pour le moment dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, hein, pour la télé-réalité. Pour le moment, on ne parle pas de ça. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de José et de Sérédier. Vous savez, depuis cette histoire a commencé, je ne me mêle pas trop de les histoires. Souvent, je défends. Voilà, souvent, après, bon, après, à un moment donné, on trouve que c'est un peu de trop. D'accord? On va écouter une vidéo de José qui allait faire son concert. Un concert qui est largement prototisé. On va écouter ce concert-là. Et ensuite, on va décortiquer. Ensuite, on va écouter le direct que Sérédier a fait chez Stony. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un direct TikTok qui date d'avant-hier. Je crois que c'était samedi. Voilà, samedi ou dimanche, je ne me trompe pas, je crois que c'est samedi ou dimanche, je crois que c'est samedi. Ce direct, j'étais là-bas,
on m'a même appelé là-bas. Moi, c'est dit, on s'est laissé là-bas dans le direct. On va vous faire écouter le direct. Et puis, d'abord, on va vous faire écouter les quelques paroles de Zozué. Je pense que c'est sur ma page. On va écouter, on va décortiquer dans la paix du Seigneur. Voilà. Bon, vous allez remarquer bien, il va décortiquer. Vous allez remarquer bien que le gars il veut parler. Ils ont entendu quelque chose à la maison. Elle veut que c'est Dieu parle. Elle a dit tu veux parler. D'abord, avant de donner le micro, elle a dit ici c'est mon bureau. Donc elle essaie de l'influencer déjà. On va aller pour pas à pas mollo mollo. Donc quand vous êtes dans la maison et quand vous êtes dehors, il doit te respecter. Ça veut dire que tu es dans la maison, il te gâte et puis te respecte. Parce que c'est la vérité. Alors pas à pas. Moi, de cortique, il n'est pas, il n'est pas à faire. Votre vie privée ne m'intéresse pas. Vous avez vu comment elle est fausse. Elle dit faut dire bébé, Dieu parler. Et puis lui parle dans son oreille, bébé, il parle. Et puis le micro, on va attendre bébé là. Tu cherches l'amour et toi, Mako. On va décortiquer. Moi, je suis là pour décortiquer. Ok. Il va tourner la caméra. La lumière sera en bracapa. Parce que je suis obligé de diminuer. Elle dit pas dire que bébé, il parle. Genre là, là. Conseil à taper pour toi. On va aller parler. Parce que moi, je suis quelqu'un, je bégayais quand j'étais petite. Donc, vous avez remarqué, je parle rapidement. Voilà, pour nous qui bégayons avant, quand on était petit, ça reste un peu sur nous, du coup, on parle rapidement. Donc, je vais essayer d'articuler mes mots. Et je vais aller pas à pas pour que ça rentre dans Yukuri des gens qui ne sont pas ivoiriens. Les gens qui sont les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les gens de l'Afrique centrale, les gens, en tout cas, les gens du monde entier. On va aller pas à pas. Pour donner le micro, là, elle a appelé le gars, et le gars voulait venir faire travail, mais puis gagner un temps. Mais elle a ça bas pour dire que, oh, Dieu, là, il déclare. Comme pasteur qui voulait déclarer, il déclare. On va aller pas à pas. Attendez. Vous avez vu son visage? Vous avez vu son visage, non? Attendez, ramène 10 secondes. Le gars a dit, c'était pas prévu, mais on dit, vous parlez sérieusement. Vous avez vu son visage? Écoutez, et regardez bien. Regardez bien la scène. Regardez bien la scène. Vous avez vu son visage? Elle pensait que là, elle annonçait que là, elle a marié. Écoutez bien, regardez. Attendez, viens augmenter le volume du Congo ça. Attendez, elle rapproche, baf, la paille, le Congo ça, elle est où? Allons-y pas à pas. Vous voyez souvent sur Facebook, je parle à tout le monde, je parle à tout le monde, je fais des retards. Mais en dehors de tout ça, je suis quelqu'un de bon. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire vraiment merci au fond du cœur. Parce que je ne pensais pas que ce monde-là est arrivé aujourd'hui pour vous. Ok, il pensait pas que ce monde allait venir. Allons, hein? On n'est pas pressé. Oh. On n'est pas pressé, c'est 4 minutes. Il dit, il tenait à dire merci à les personnes qui sont venues dans le concert parce qu'il pensait pas que ce monde allait venir. Parce qu'il est conscient que Zozué de Bijou n'a plus de carrière en homme de conscience. Elle n'a plus de fans, elle n'a plus de carrière. On va aller pas à pas, je vais lui parler doucement. Vous allez entendre. Tranquille. Écoutons. Si vous venez là, parce que vous tous ici présents, je pense que paix à son âme, à la fois qui vous montre. Tu nous parles à la fois pourquoi? Moi, je n'ai pas compris la partie là. Quand vos carrières sont en baisse, ça va passer chez Cercueil d'Arafat. Quand vos carrières sont finies, vous partez chez tombe d'Arafat. Quand vos carrières sont finies, vous partez prendre flac et si tombe d'Arafat à quoi que je dis vos perruques. Non, Arafat, vous prenez exemple sur Arafat pour vous envoyer la pitié des gens.
Tu sais que la carrière de Zozoua est touchée. Zaradaï, ça ne chauffe pas. Tu sais que sa carrière est touchée même. Jusque ça ne va pas dans sa vie. Quand vous regardez là, on sent que vous avez moyen, bah moi, avant de venir faire concert. Quand on te regarde serré, ce n'est plus le serré d'avant, frère, frère. On va de... Il a fini la vidéo d'abord, puis il a te récupéré, Coro. Il appelle toujours Coro, c'est mon Coro de Coro. Mais c'est le game. Il est allumé ce soir. Tu vas comprendre qu'on ne se fout pas de tout le monde sur Facebook. Tranquille. Allez, bouton. Voilà, je vous donne un présent de l'histoire ici. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de vous dire, je vous le savais très bien, nul n'est parfait. Chacun a sa route, chacun a ses problèmes, seul Dieu juste, que Dieu bénisse et l'esprit. Voilà, voilà la partie qui m'intéresse. Voilà la partie qui m'intéresse. On va diminuer la luminosité, on va tourner la caméra parce que le Congo ça doit être articulé. Voilà. Il a fini de parler, il veut gagner en temps. Écoutez bien. Regardez bien. Vous avez vu son visage, non? Vous avez vu le visage des Zozoué, non? C'est pas ce qu'elle voulait. Le gars, il a fini de parler. Elle est fâchée. Regardez bien. Parce que vous avez dit que personne ne vous a encore décortiqué la part. Il a décortiqué sa carrière. De ventre potent. Vous avez vu, non? Elle est débat même, elle est découragée. Elle pensait que le gars vient déclarer son amour dans le concert. C'est pas ce qu'ils se sont dit quand elle a donné le doyo à la maison. Quand elle a donné le zoyo à Capi, elle savait pas que Capi allait la décevoir. Elle est débat, regarde, elle rebusse encore. Tranquille. Le gars s'en va, il dit merci infiniment. Il dit quoi? Merci infiniment. Il dit que c'est un trésor. Ne l'appelez pas demain comme Arafat Point. Et puis ça va, elle en s'abat comme ça. Ma chérie, tu vas prendre là. Quand tu manges pour quelqu'un, dis-toi que demain on va manger aussi pour toi. Si elle gagne, c'est Dieu le mari. Et puis tu vas rester. Moi, je t'ai fait son show. Moi, je l'ai remplacé. De ce que tu as fait à l'île, c'est moi, je t'ai fait ça. Non. T'as compris? Il a dit, c'est dans mon game. Ta jalousie à deux pieds gauche, les malais, laisse-moi tranquille. C'est quand tu as pas à l'île, moi je suis en mission. Moi-même, il y a un prince qui est dans ta main. Il a fini de parler, ça va, non? On va tourner la caméra. Parce que quand tu tournes la caméra, ne riez pas. Il dit, c'est un mot, il aime me déconcentrer quasi dans mes mouvements. Vous allez voir comment elle a fait ça, hein? Regardez. Vous avez vu? Ah! Vous avez vu? Vous avez vu? Attendez! Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Non! Mettez les cœurs si vous avez vu! Mettez les cœurs! Parce que cette vidéo me tenait à cœur! Mettez les deux, vous avez vu comment elle a braqué Serré Dieu sur la piste de danse. Le gars a fini de parler, il veut bien passer, il veut travailler pour partir comme d'habitude. Mais elle a sacbat le gars. Regardez, je rébisse encore la partie des Ivoiriens. Chez peuple africain, je vais rébisser la diva de Kiza. Il dit, il va parler doucement, ça ne parle pas doucement. Bon, il va crier, mais comme je suis une ancienne bégueuse, je dois articuler les mots pour que vous entendez. L'ancienne. La diva, par contre la diva de la musique, la diva de Kiza. Vous allez voir sa réaction de braqueuse de foyer. Regardez bien, il retourne la caméra. Regardez bien. Vous avez vu son visage? Vous avez vu le visage des capitaines? Vous avez vu son visage? Elle dit pas sa partie. Il est rébus encore, vous allez voir. Chez peuple africain, regardez encore. La braqueuse de Marie. Là. Regardez bien. Regardez. Il est fâché.
partie. Quand Pat est partie, voilà celle qui dit qu'elle va à l'église. Voilà celle qui dit qu'elle est pieuse. Voilà celle qui dit que ses parents l'ont bien éduqué. La voici en train de braquer, forcer, cambrioler un homme en plein concert. Regardez bien, mes chers frères et sœurs. Je vais parler. 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 Je Vous avez vu comment son visage a changé? Ouais, c'est comment le Congo ça? Tu veux nous le. Hey, le Congo ça, hé! Le Congo ça! Vous avez vu son visage? Il savait pas ce qu'elle allait dire. Il savait pas ce qu'elle allait dire. Elle commence à gâter le coin. Le gars, mais n'est pas conscient de ce qui va se passer. Regardez! Ça fait le bruit que ça devait passer. Alors, elle rappelle que. Elle rappelle à Zeredier de Aline que. Tu te rappelles quand tu avais snappé, puis tu as dit que c'est là, c'est moi, chaud, ça, puis ça fait le bruit là. Elle veut se venger. Parce qu'en ce moment, elle est ce gars. Lui aussi, il était toujours sa femme. Vous vous rappelez de cette vidéo qu'il a fait? Après ça, il a fait vidéo, il s'est excusé auprès de sa femme, qu'il est toujours marié à sa femme. On va aller pas à pas. Moi, je ne suis pas pressé au Sogo. Allons. Mais on a assommé depuis ce jour-là. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais cessé de me grandir en public. Et je voudrais aujourd'hui remonter le monde pour te remercier. Pour te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et il n'a pas fini de parler, je pas fait. Le gars l'a fait à tout, hein. Quand vous regardez la vidéo, la braqueuse de foyer, elle fait à tout. C'est-à-dire que le gars a fait à tout. Et puis il veut partir. Et puis non, il n'est pas encore fini. Écoutez, il y a une petite manière de vous montrer. C'est pas pour l'instant. Quand tu es allé m'assumer en public dernièrement, tout le monde n'a pas vu ça du monde. Mais en fait, si on avait un goal, et je respecte cela, je voulais juste te dire merci de m'assumer en public. Aujourd'hui, je t'assume moi aussi en public. Je voulais le dire. C'est pas tout le monde qui sait. Mais aujourd'hui, c'est le 11 février. Ça fait 8 ans que toi et moi, on est ensemble. Akosuba! C'est la partie qui m'intéresse. C'est pas tout le monde qui sait. Oui, Seigneur, mon téléphone. Elle dit c'est pas tout le monde qui sait, mais ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. On va aller pas à pas. On n'est pas pressé. On va décortiquer. Mettez les étoiles sécurisées, le direct. Ils vous sentent pas les étoiles, mes bébés. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour bavarder cette fois-ci. Ne me tentez même pas. Voilà. Ne me tentez même pas. Elle dit ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Ok. Ça. Ce sont les enfants. Voici Aline ici. Voici Aline. Voici les grandes filles. Voici les enfants. Voilà la famille des Sérédiers. Voici la famille, la vraie famille de monsieur Sérédier. Voilà sa famille. Regarde comment ils ont le sourire. Regarde comment ils ressemblent à leur papa. Regarde comment ils sont heureux. Elle dit, ça fait 8 ans qu'elle avait Sérédier. Ok. On va décortiquer. Dans la paix du Seigneur, on va décortiquer. Elle dit, ça fait 8 ans qu'elle avait Sérédier. C'est une vidéo en quelle année? Ça, cette photo, c'est en quelle année? Cette photo que je vous montre. Il y a, comme ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait combien de temps, cette vidéo? Ok. On va aller encore, il y a une autre photo. Le voici ici. En ce moment, il avait 4 enfants. On va aller pas à pas. Comme vous dites, c'est une voleuse de mari. Vous voyez, non, c'est passé. On n'a pas dit sa chanson, on dit que c'est une voleuse de mari. Là, il avait 4 enfants. Voilà sa première fille ici, voilà ses enfants. Une belle famille. Un homme heureux. Avec une coiffure de tinté, gawa patenté. La femme t'a prié, t'a mis à côté, t'a lavé. Elle t'a supporté. Voilà ta femme, voilà ton doigt au mousseau ici, Coro. J'ai tout appelé Coro. Voilà la femme qui t'a porté bonheur. Cette femme a souffert auprès de toi. Elle t'a donné 5. Là, vous avez encore 4 enfants. On va aller pas à pas. Moi, c'est pas dans le discours et toi. Vos discours de. Vos faux discours là. C'est pas dedans. Oh putain. Il y a problème de réseau. Il y a une autre photo
où tes enfants ont déjà grandi. Mais pourquoi ça fait ça, putain? Excusez-moi. On signale mon direct, hein? On signale mon direct. Accélérez, accélérez, accélérez les patates, s'il vous plaît. C'est que le direct à les patates. Vous n'avez pas mis des étoiles. Je suis fâchée aujourd'hui, hein? Mettez les étoiles, mes bébés. Oui, fumez Katayoro. Voilà. Je suis en train de chercher la photo. Où les enfants sont grands maintenant. Comme elle dit, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. On est là. On va analyser ensemble. On n'est pas pressé. On va analyser ensemble. On n'est pas pressé. Voici une chanteuse du nom de José qui a beaucoup de talent. Ça va être, excusez-moi. Voilà une chanteuse comme José qui a beaucoup de talent. Elle était là avec son copain qu'on appelle Bijou, qui était son manager, qui était son producteur. Ça dit que c'est David Ayoro qui l'a produit pour la première fois. Qui était son manager, qui était son tout. À un moment donné, vous vous rappelez qu'Arafat a fait une vidéo où Yoro a dit que elle voulait une voiture Range Rover. À un moment donné, elle avait pris des filles là. Elle voulait une voiture 4x4 et pas quoi là. Donc à l'époque, Seredi la draguait. Elle a sauté, elle est partie dans les bras de Seredi. Arafat avait cassé le papot. On va écouter une autre vidéo où elle dit que elle avait déjà, dans la même vidéo, elle a dit que elle avait déjà sa carrière, elle avait déjà son agent avant que Seredi n'arrive. C'est pas qu'on est là, elle est lui. C'est pas qu'on est là, elle est lui. Là. Pourquoi Arafat a dragué, tu as refusé? Bien sûr. C'est pas qu'on est là, tu as Seredi là. Pourquoi tu as laissé Bijou, ton gars de galère qui t'a soutenu dans ta carrière, de lui, José là? Pourquoi tu as laissé ce gars là? C'est pas qu'on est là, tu es lui. Toi, c'est toi, José, en tant que femme. Tu vas regarder dans nos yeux. Pour nous dire que dans Côte d'Ivoire, tout, on ne connaît pas les footballeurs. Mais quand tu fréquentes les discothèques, les endroits où les restaurants où les footballeurs vont, il y a tout, les djali pour t'expliquer les vies. Ils vont te dire, ah lui là, moi quand je connaissais Kadek, il n'était pas marié légalement avec sa femme. Ils vont te dire, ah Kadek, il n'est pas marié légalement avec sa femme, mais sa femme est galère, ils ont tel nombre d'enfants. On connaissait la vie de tout le monde, tous les footballeurs. Ils n'ont pas une vie cachée. On sait tout ce qui t'a présenté, c'est les dits dans une boîte. C'était pour quel mouvement, on sait tous. On sait très bien qui t'a provoqué. Bon, on n'a pas envie de dire non des gens ici. D'accord? Donc, toi, tu as nous dit que toi, tu n'es pas au courant que Seredi vivait en couple avec sa femme. Plus de 15 ans de mariage. Ils ont plus de 4 enfants. Vous voyez, c'est quand il était venu qu'il avait un dernier enfant. Son dernier enfant, Ali, n'a même enfant, ton premier enfant. Elle même âgée, ton premier enfant. Tu as nous dit que toi, tu ne savais pas. Tu es dans le réseau des footballeurs. C'est-à-dire que tu voulais. C'est comme à l'époque, quand toutes les filles voulaient un policier ou bien un militaire, à chacun son policier, vous vous rappelez. Même les filles, peut-être, vous voyez les vigiles pour ça. Tu vas nous regarder dans nos yeux que toi, tu n'étais pas au courant que c'était Dieu là. Tu vas nous regarder que c'était Dieu là. Tu ne sais pas qu'il avait sa femme qui s'appelait Aline. Je crois qu'elle vit en Suisse ou bien elle vit en Allemagne et les enfants. Tu vas nous dire que tu n'étais pas au courant. 4 enfants. Un gars peut te mentir pour dire que tu vas marier. Elle a beau, c'est pas beau de galer, mais on n'est pas marié. Mais pour dire que tu n'étais pas au courant qu'ils avaient 4 enfants. Tu es une menteuse, José. C'est moi qui te dis ça. Tu es une menteuse, c'est de la manutention mentassale, d'un mensonge bien organisé. Tu savais très bien que le gars, il était en couple. Il a dû te dire que, ah, c'est la mère, on connaît les enfants, c'est la mère de mes enfants, il n'y a pas qu'il la laissait comme ça, et puis tu allais t'asseoir dans le foyer là. Foyer que tu t'es mis dedans, qui t'empêchait de travailler. Faut regarder ton conseil de Saint-François, j'ai fait un conseil si gazon. Conseil que tu as fait si gazon là, c'est même pas rempli. José, prends exemple sur Rosie Layo aujourd'hui. Rosie Layo fait deux concerts. Elle a fait concert à Sofitel, concert à Hôtel d'Ivoire, deux jours suspects. Elle a fait deux concerts. Rosie Layo là, elle te prend comme sa vieille mère. Tu dois prendre exemple. Mais Rosie Layo là, son mari, c'est son manager. Hein? Mm-hmm. Moi, j'ai appris à parler. Il y a quelqu'un qui dit Lélé est mieux. Mm-hmm. Dans mon Lélé là, je suis en couple, ça fait 8 ans, je suis mariée légalement. Voilà ma bague. Je baise. Il y a le propre foyer, le papa des gens. Il faut faire mon papa, il faut faire mon mari, puis gâter en couple. D'accord? Voilà. Quand vous dites les sont Djandjou là, Djandjou est mieux. Une poquée qui est dans un cadre, qui est dans ma colline gazon, qui est dans les boîtes de nuit, elle va mougouer, le gars prend son Dieu, elle va se casser. Elle va gâter le foyer des gens. Le contraire, même si Djandjou arrange les foyers, parce qu'elle va bien mougouer ton gars va aller partir, elle va partir à la maison, elle sera content. Mais une Kiza, une raseuse, une voleuse de mari, elle enlève un père au milieu de ses enfants, puis elle crée sa famille. Elle fait famille dans famille. Ça, c'est la sorcellerie. Elle avait famille dans famille. Elle savait très bien que Ali avait galéré son mari. Son mari de galère. C'est le Dieu là. Avant lui, il y avait Daïs Zoko qui était comment on appelle ça?
capitaine des éléphants. Après lui, il y avait Paul Touré, qui était capitaine. Lui, il avait déjà joué combien d'années en Côte d'Ivoire? Combien d'années? On va aller pas à pas, il s'est pas pressé à vous. Paix, ça, les sous dedans. Où c'est fini seulement, moi aussi dedans. Une semaine, c'est à vous. Hein? Combien d'années? Qui va accepter? Paix, on va aller sur le fait que tu n'es pas au courant qu'il était marié. Mais tu, quand même, il a des amis, il a des potes, il a ses anciennes go, il a beaucoup de monde dans le monde du football. On connaît que tu Moukou, même quand tu es busy avec un footballeur, tout ce que tu connais sa vie avant d'aller Moukou et lui. Il savait très bien que le gars, il avait sa femme de galère qui était Aline. La preuve qu'elle avait vidéo, c'est pour dire c'est moi et Mougou ça. Après ça, il s'est excusé auprès de sa femme. Il s'est excusé il n'est pas divorcé. Même s'il n'est pas marié légalement, le gars n'est pas divorcé. Voilà. D'accord? On va aller pas à pas. Aline, il y a 5 enfants. Tu as ton deuxième enfant. Le premier, tu pensais qu'il a été marié. Tu n'es pas marié. Deuxième enfant, son, ton ventre est tombé. Tu n'as même pas le temps d'attacher ton ventre. Tu n'as même pas le temps. Je dis, moi, il y a un enfant derrière mon ventre. Tu as mon deuxième enfant, ça sera toujours pareil. Tu as un seul enfant. C'est visé le direct, ils sont en train de mettre les cœurs. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. C'est visé le direct avec les pouces bleus. Vous n'avez pas la vérité. Sécurisez le direct, ils sont en train de me signaler. Mettez les étoiles, famille, mettez les étoiles pour sécuriser le direct. Tu allais prendre. Tu pourrais bien mourir le gars et puis retourner chez ton bijou. J'ai vu que ta mère spirituelle même a parlé de ça pour dire que un homme qui galère une femme, et puis ça après une autre go qui n'a pas vu sa galère. C'est les dieux de sa part vont quand elle sortait à lui. C'est les dieux de sa part vendait des galbas. Il se bat cordonnier quand elle est là pour son mari. Et puis jouer dans les petites équipes jusqu'à ils sont venus en bengue dans ça. On appelle ça femme de bonheur. Depuis qu'il a laissé Aline, et puis là on va s'afficher toi là. Il avait combien d'années de carrière? Question. Voilà, Messi, il n'y a plus Coupe du Monde. Avant de dire je ne joue plus le football. Lui déjà à 27 ans, à 30 ans, il a la retraite. José, pose-toi des questions. C'est pas tout le monde est mougou dans la vie. Les gens vont galérer, les femmes vont galérer. La femme va jamais sortir pour vous parler. Parce qu'il sait. C'est l'idée, ce qu'on l'appelle. C'est un narcissiste. Je sais pas comment on doit les appeler. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. C'est un gars, il te manipule. Donc il sait que Aline est dans son filet. Il sait que Aline, c'est la femme au foyer. C'est la femme qui soutient son mari. C'est la femme qui protège son mari. Donc il va sortir pour venir raconter tout et n'importe quoi. Aline ne va jamais sortir. Elle ne va jamais sortir pour vous calculer. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous jouez, ça fait 8 ans. Quand tu calcules 8 ans, moins 15 ans, dans 15 ans de galère d'une femme, ou bien 16 ans de galère, toi tu as fait 8 ans de business. Parce que tu as fait ça à la bordellerie. Hein? Tranquille. Parce que tu pensais qu'un enfant, c'est déjà été marié, tu n'as pas marié. Deux, il s'est dit, il faut faire 5 enfants, José. Ça fait 10. Ou bien tu fais 6 et elle, tu as déjà 5 et à l'une. Ça fait 11, une équipe. Et puis après, tu retouches ta femme. Parce que la vraie vérité, c'est ça. Même pour lui faire mal, là, tu es marié. Oui. Où tu es là, ton rêve, c'est qu'il te marie. Mais ton mari sera le plus nul de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, là, tu étais la femme dans ta musique. Tu étais la femme. C'est maintenant que tu veux. Je veux que tu m'épouses. Donc, toutes les musiques que tu faisais là, c'était pour que c'est le Dieu laisse aller pour venir te marier. Maintenant, il vit et toi légalement. Oh, il était entraîné en Suisse. Je ne sais pas si c'est dans quelle ville en Suisse. Il était entraîné en Suisse. Oui ou non? Aujourd'hui, il devient quoi? Il a joué une équipe. C'est-à-dire que quand Daïs Oko est parti, c'est lui seul qui est resté. Il n'est même pas capable de gérer une équipe de Côte d'Ivoire pendant une équipe de football, mais pendant 5 ans ou 10 ans. On avait déjà été capitaine des années. Lui, dès qu'il a commencé, il a pleuré. Dès qu'il a mangé des mougres, il a pleuré sur le terrain. Il rate le ballon, il pleure. Il marque, il pleure. Il rate le ballon, il pleure. Il marque, il pleure. On dit quand il va perdre, il pleure. Quand il va gagner, il pleure. Je vais pleurer. Dans pleurer, on est assis. Quand on dit Coupe d'Afrique, quand il va gagner net, vraiment, il est parti. Voilà Eric Bailly, des vrais footballeurs, les jeunes ivoiriens. Les sociétés jauriers. Il n'avait pas de camarades footballeurs. Il t'a fermé toutes les portes. Une artiste doit avoir des pareils. Une artiste doit avoir. Apparemment, quand Arafat te draguait, quand Yola te draguait là, tu disais que lui, c'était ton pareil. Mais dans pareil, vous êtes partenaire quand tu es dans deux enfants. Dans le foyer des gens. Il n'a qu'à te marier légalement. Où est-ce qu'il n'a qu'à te marier légalement. Au revoir. Tu as... Et puis le problème, c'est que tu sens que tu souffres dans ton foyer. Pas qu'il te venait parler comme ça là. C'est ici, il avait le temps, même été. Tu sais qu'il te trompe. Il a d'autres go. Lui-même, il sait. Il a beaucoup de go ici. D'ailleurs. Donc tu sais que le gars là, à n'importe quel moment, il fait tchala. Mais comme tu es déjà gâté, c'est sali, ta carrière est bousillée. Toi, tu t'es dit, hé, hey, ça fait 8 ans ensemble, mon rôle est là-dessus. Donc, s'il devait partir dans 2 semaines, il va rester encore 6 mois. Donc, ton prochain conseil, encore, t'as dit, oui, ça fait 8 ans et demi, on est ensemble. Il doit que toi, vous êtes dans la manipulation, vous deux. Ta vie, t'as dit que tu n'as plus de. Avant, José, quand tu faisais ton concert, mais laisse. Tu as fait un concert au Palladium, ou même Palladium
En 2016, je crois. Moi, j'ai regardé ça sur YouTube. Ton premier son où tu as fait hey, tu chantais très bien, le monde. Toutes les frustrations que j'ai. Je suis d'accord, pas une quitte. Tu étais la fierté de toutes les femmes. Quand tu disais, bijou, tu veux savoir où on va? Parce que tu m'as trop mon goût, je veux que tu me maries. Dans ça, on a dit tout ce que bijou te marie. Tu as fait bijou, va moi. Ben, tu voulais footballeur. Si tu avais pris ton bijou, avec tout l'argent que tu gagnes, bijou était ton manager. Voilà, voilà Rosine Laïe, ta petite soeur. C'est son mari qui est son manager. Quand elle va devenir Rosine Laïe, c'est marié à lui. Dieu va bénir leur couple. Même si c'est Nyaga, ils vont rester ensemble. Parce que c'est son gars de galère. Ils ont compris ou pas? C'est son gars de galère. Mais toi là, avec ton talent, tu as tout nimi. Tu vois, c'est Rosine Laïe, il n'y a pas les ministres qui la draguent. Tu vas pas les papa qui la donne, c'est lui qui avait dit que non, il y a les ministres du pays qui la donnent, tout ça pour te barrer encore la route. Il fait quoi aux Ivoiriens que les gens t'ont trop bloqué, c'est pas ça. C'est toi-même ta relation. Le fait que les femmes étaient derrière toi, tes femmes étaient des femmes. Toutes les femmes, c'est des femmes, des Camerounaises, des Maliennes, des... tout le monde était des femmes. Parce que toutes les femmes qui sont dans une relation veulent qu'on les marie. Mais une femme qui a galéré, même son gars du quartier, et puis une péon, ça dit que moi j'ai galéré mon gars du quartier jusqu'à dans ça, dans notre galère. Mon gars a dit quelqu'un, même si je ne vais pas marier légalement. Et puis le péon va venir prendre ça, qui va s'appeler Kiza. On se... Même celles qui ne sont pas mariées, elles se sont concernées dans cette histoire. Tu es une voleuse de mari. Et en plus, vous dites que ça va bouter les gars. C'est un pain. Pain Gojo. Tu es une voleuse de mari. Tu es une briseuse de famille. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on regarde les photos de famille de Sérédier, c'est un homme heureux. Mais tellement que tu veux être là. Regarde aujourd'hui la petite soeur, ta petite soeur, Rosine Laïe, tu n'es pas capable de prendre Sofitel. Pas, il n'a plus rien. Mais le voici dit en voilà, ça sera une grisure dans ta main. Tu n'as plus de gars, tu n'as plus la Josée d'avant qui avait 20 plats, qui a bon cul, on dit ton ventre est tombé. C'est tombé, ventre devient lourd devant ton être des jumeaux. Donc, où tu es, ta vie est grise, tu n'as plus de carrière. Capitaine des poules. Et de lui, la jeune, il nous a envoyé la carte que c'est fini. Un jeune footballeur qui finit sa carrière de football à 30 ans, mon frère. Tes amis, je lui ai dit qu'il a 37 ans, 8 ans, 30 ans, 40 ans ici. Tu as joué une seule Coupe d'Afrique, Bouyaka, à cause de Boda. Tu allais te retrouver dans le cuit. Ça veut dire que de capitaine d'une équipe nationale, tu te retrouves en train de lever le poulet. C'est pas bon poulet, poulet bicyclette, poulet avec les petits, petits pattes là. Tu te retrouves en train de lever des poulets. Tu es la poulet qui est un manager. Manager de José. Tu es un manager. Ça veut dire que de capitaine. Ça veut dire que tu passes. De, tu n'avais pas envie d'aller jouer dans un pays comme le Qatar. D'aller jouer même en Turquie. D'aller jouer même dans les pays. On dit les pays maghrébins, c'est ils aiment les artistes, les footballeurs africains, où tes amis sont pas payés les 50 000, les 100 000 euros. Toi, tu es assis en Côte d'Ivoire, en train de voir la chiquette, poulet, tête de poulet, puis pied de poulet. Tu as pris ton argent que tu as gagné, bébé, s'il te plaît, ouais. Tu as pris ton argent que tu as gagné avec Aline. Ton âge de galère, que tu as pour t'occuper de tes enfants, pour construire la vie de tes enfants ici en Europe, pour les mettre dans les bonnes écoles. Tu as pris cet argent, tu as fait chaba produit nyeri. Tu as vu les Chaba Produit. Elle, tout ça, elle dit qu'elle n'est pas elle pour son argent. Chaba Produit Nyeré. Une maison de production pour elle. Vous avez fini Chaba Produit Nyeré. Vous avez fait maintenant poulailler. Vous avez fini. Toi, tu n'es pas devenu prêtre dans le corps du. Tu n'es pas devenu pasteur, faut m'appeler I. Toi, tu serais plus piqué du boutique. C'est-à-dire du boutique dans son église. Là. Tu as attrapé les assiettes pour mettre l'eau là-dedans. Tu as attrapé là. Son sacré est gâté. Parce que toutes ces femmes, elle ne peut pas chanter dans le mariage d'une femme. On dit José ne peut pas aller chanter dans le mariage d'une grande dame qui a l'argent, une femme commerçante, ou même une jeune fille qui a reçu sa vie pour dire mon anniversaire. Ma chérie, tu as dit José va aller mouguer ton mari. C'est ce qui est dans la tête des gens. C'est pour ça que José n'a plus de femmes. Personne ne la boycotte. Il y a des femmes qui sont mariées en Côte d'Ivoire et puis on les mougoue. Elles gèrent les vrais mouvements ici dehors. Elles ont les gars et puis elles gèrent les babachets dehors. Une artiste, ça n'enlève rien. Quand on dit statue, Rosine Laïe, moi je te dis, ben frère, dans les pays, différents pays, il y a les babachets qui la draguent. Rosine Laïe est jolie que José a. Elle a un joli visage, mais elle a une forme comme ça, digne. Elle aussi a une petite forme là-bas. Elle, c'est la jolie forme que José. Malgré qu'elle est mariée, on la drague. Oui, c'est. Il y a des cachets privés comme ça, elle est chantée dans le salon. José Laïe parle de 6 millions. Oh, José Laïe a gagné 1 million dans ses yeux, elle est contente. Il y a son concert sur la pluie. 3 grilles de personnes. Les chaises sont vides. Parce que toutes les femmes se mettent à la place de Aline. Tu as galéré avec ton gars. Il va ressembler à Marguia. Et puis, il commence à ressembler. Quand il commence à ressembler à Crocodile, il prend sa queue pour te gifler dans la maison, il va aller sortir avec une fille qui n'a même pas galéré à lui. Quand Aline va penser à ça, ta carrière de football, tu te retrouves éleveur de poulet. D'éleveur de poulet, tu es devenu celui qui ramasse l'an
sur la piste de danse de les fesses de José. Vous êtes là, la Côte d'Ivoire vous regarde. Un enfant, vous pouvez faire 5. Faut la marier d'ici 2 mois. Faut la marier. Et t'as demandé, la dernière fois, dans le direct. T'as demandé si tu as la marier. Tu me dis de rentrer dans ton inbox. Tu me dis que toi, tu vois tous mes posts, les gens t'envoient. Personne ne t'envoie. Tu es sur ma page. Où il n'est pas là, mais c'est que tu es là. Coro, retourne chez ta femme. C'est vrai que c'est la vie. Et puis, tu vas venir regarder dans nos narines. Par exemple, moi, je viens de me trouver dans le direct là. Quand je viens de parler, était mon téléphone est dormi. J'ai vu des parties où tu dis que toi, tu n'as jamais donné l'argent à José. Le jour où tu as donné l'argent à José, c'était quand vos enfants sont. C'est quand ton premier fils est né. Tu te fous de qui même? Tu te fous de qui même? Quand José était dans sa carrière à 100%, où elle passe les jeunes filles, les courir derrière elle, où elle gagne les vrais contrats, on dit José ne gagne même pas de contrat. Rappelez-vous la dernière fois que José venait en France. Elle a chanté ici en France. Ils savaient qui avait traversé ciel. Ils étaient les jeunes de Paris là. Hein? Ils ont traversé ciel ici. Une artiste, on met l'argent, on met. Même les Lady Ponce, les grands artistes du monde, on met l'argent ici, en Afrique ici, on met l'argent ici. Ça, c'est la tradition d'une star. C'est ça. Peu importe à qui tu es marié. Tu es donc marié. Parce que c'est vrai, tu te mets la pression. Ta carrière est devenue Yougoslave. Une carrière jumbling avec Bamkou. Talala, tu as pour dormir ça. Tu as de prendre talala pour mougouler. C'est-à-dire, tu as de prendre talala pour manger les poulets Josué. C'est pas pour marier de tout le monde en Mougoukoui. Kono, Alim dit, faut dire à Jo. Le gars, tu te fous de nous. Il dit que Aline dit, faut dire à Jo, arrêtez de vous exposer. Donc Aline, genre, c'est la plus maudite des femmes. Elle va galérer son mari qui ne s'est pas briqué. On dit le gars ressemble à une bière. Jo en train de boire son gars. Et puis elle dit, non, faut dire à Jo, ne pas vous exposer. Elle va caresser. Soit tu es polygame. Et puis le pire, c'est que José ne veut pas que tu sois polygame. Bah, elle ne se voit pas en train de partager Aline et toi. Sinon, si tu étais polygame. Moi, mon grand-père avait 4 femmes. Oui. Il avait une femme Niaboua, 2 femmes bété, je peux une autre, elle était quoi? Mon grand-père avait 4 femmes, il n'est pas musulman. Un vrai bété. Il était chef du village, 4 femmes. Donc, tu peux nous dire à la Côte d'Ivoire que tu es un homme polygame. J'ai la mère de mes enfants, on dit j'ai 2 enfants. Elle nous dit que tu as 2 enfants, ça fait quoi? Mais tellement que José ne veut pas que tu. C'est-à-dire que José, même, elle ne veut même pas que tu restes avec Aline. Elle veut que tu regardes elle. Et puis le pire, là, vous écoutez une chose. Parce que vous avez dit que non, on gâte rien. C'est elle-même qui se gâte. Allons pas à pas. On va aller pas à pas. On a combien de minutes de direct? Il y a bien laissé les gens appeler. On a 46 minutes, ok. 3700 personnes connectées. Mettez les étoiles, s'il vous plaît. La première fois, j'ai donné l'argent à José. Je jure tout ce qui m'échappe. La première fois, j'ai donné l'argent à José. Mon fils a été né. Il dit le jour que lui a donné l'argent à José, le fils Chaba était né. Tu vois comment tu te fous des gens? Incroyable quoi, je m'en dis. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir, oui. C'est José. Je voudrais vous dire bonne nuit, mon mari va se reposer. C'est ton mari, ma chérie. C'est ton mari. Tu n'as pas honte. En fait, tu te bousilles toi-même. Tu peux sortir et barrer des gens. Tu n'es pas la seule à être. Tu n'es pas la première ni la dernière à sortir et marier des gens. Chacun de nous dans sa vie a sorti et marier des gens. Mais pour prendre pour lui, pour gagner un temps. Passer son temps en attendant de trouver son amour. Nous tous, on a fait ceci dehors. Mais toi, c'est un braquage jamais armé dans un foyer d'un papa. 5 enfants. Donc plus pour toi, ça fait 7. Et puis il y a d'autres gars en Paris avec qui il a fait affaire apparemment. Tu n'as pas honte. Donc toi, tu as vu chez toi. Tu as vu comment tu es devenu, ma chérie, José. J'imagine la taille de tes seins. Non, je t'ai imaginé la taille de tes seins. D'abord, tu es Dumba, une fois, tu as vu comment tu es venu en France. Je suis venu en France. Moi, hey, mon chéri, on t'a vu chez Demba à Paris. Tu devais faire un concert. C'est en 2018. Tu bats tête qui est devant toi. Là, tu es devenu. Peut-être là, ça mollit un peu. Elle est tout le temps. Tu es le loup bouton avant. Aujourd'hui, mari des gens. Tu as fait un seul enfant. On n'a rien dit. 2 enfants. C'est-à-dire que tu as kidnappé le gars, mais il vit avec toi. Ouais, j'imagine, par exemple, vente qu'on a vu là. Vente est devenue quoi? Ma chérie, regarde. Un enfant, ça ne chauffe pas. Tu n'as pas vu, nous, on est dur, on est quelqu'un qui ont pilé. Tu peux casser même tout sur mon ventre, ça ne chauffe pas. Elle dit, on a quand même laissé aller dormir son mari, tu n'as pas honte. Il t'a marié. Moi, il veut que vous, celui que vous mariez, il ne parle plus. Moi, il veut que tu te maries, tu vois, parce que c'est dans le mariage. Il veut que c'est, parce qu'il n'a plus rien comme avant. Donc, tu es obligé de le. Vous allez la fouche, vous êtes obligé de vivre des poulets et des artistes qui ont venu faire un enregistrement dans Chaba Production là-bas. Les petits artistes à 2 balles, vous allez produire là. Vous êtes obligé de vivre de ça. Tu n'as plus de carrière Zadagou. Tu peux même pas. Il y a dit, Rosine Layo fait 2 concerts en 2 jours. Elle veut parler de la culture. Elle fait Sofitel. Où les mamans, les Kadia Karamara se déplacent. Aujourd'hui, la Zadagou fait
déplacer? Bien sûr. Toi, tu veux dire, comment on appelle ça? Tu peux faire conseil où la première dame de la Côte d'Ivoire va se déplacer? Elle va se déplacer avec qui, papa Ado? Pour que tu puisses prendre son mari, aller mougou son mari demain. Aucune ministre des femmes. Regarde Rosine Layo qui vient d'arriver. J'ai bien Rosine Layo qui vient d'arriver. Kandia Camara se déplace avec les mamans, avec les maris. Ils n'ont pas peur d'aller dans le mariage, dans le conseil de Rosine Layo. Parce qu'ils savent que Rosine Layo va prendre les maris. Mais quand on te voit une peau. On te voit en qui, c'est pas moi qui dis, c'est les Ivoiriens. On te voit en Kiza. Imagine que maman Kandia Camara va partir avec son mari, papa Kandia. Ils vont aller s'asseoir dans ton conseil. Après, c'est pour aller prendre le numéro des gens dans la toilette. Demain, après, que, oh, José a encore rasé la première ministre de Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Tu vu que tu n'as plus de sponsor. Il vient dire, c'est pas les autres dragués. Qui ne drague pas qui? Le gars te fout ta carrière en l'air. Hein? Le gars te fout ta carrière en l'air. Tu vois pas ça? Mais tellement que là-haut, tu viens de rester. Faut, mon mari va aller dormir. Faut dire le mari d'Aline, que tu as pris en location sans payer, tu dois le loyer à Aline. Tu as loué son bangala, va remettre le bangala, tu avais ton joli bijou. Un beau gars qui t'a galé. Tu sais, il y a des gens qui portent chance. Oui, quand tu as commencé le bijou là. Oh bijou, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu. Moi, mais quand il y a des chances, chansons comme ça là. Et c'est quand j'ai mis bac. Toi, depuis, tu as jeté bijou pour aller chez footballeur. Tu as jeté bijou pour pourquoi ils ont un ballon dans le pénalty, dans le filet. Tu as chez footballeur, mari des gens. Marie, tu n'as pas honte. En fait, nous, on s'en fout qu'ils soient mariés. Mais tu as, s'il n'avait pas même pas d'enfant, ça ne sera pas grave. Parce que c'est une femme qui peut refaire sa vie. Mais est-ce qu'elle peut refaire sa vie avec 5 enfants? Est-ce qu'elle peut refaire? En fait, tu ne te mets même pas sa place. Tu t'en rends pas compte de la bêtise que tu as foutu en fait dans la vie des gens. Même s'il n'est pas marié légalement, son gars de galère, quand ils sont allés serrer Dieu, ils sont pas en vont. Ils sont pas malgré des déserts du Niger. Aujourd'hui, ils sont un peu en garçon. Toi, tu prends ça dans mon mari, mon nienne va aller nienne d'où. Tout ce que tu dois faire, c'est mougouli. Les poulets, ils vont finir un jour. Des capitaines de pas sa poulet. Capitaine de poulet. Moi, il a mis ça en face. Moi, il n'a pas peur de lui. Il sait. Il dit pour moi, il n'a pas peur. Pour moi, il n'a pas peur. Au contraire, derrière, c'est même la carte des capitaines qui donne l'argent. Eh, demain, il dit que non, j'ai dragué Marie des gens. Il a dit, tu as la carte des capitaines, tu n'as rien. Vrai. Parce qu'un vrai capitaine, quand il dit que les siens t'appellent, il a l'attendu de rentrer. Oui, ma petite, c'est bon, t'es quoi là-bas, t'as pas moins 5 000 euros, est-ce que tu es moisi des jours là? Tu n'as rien. Je t'ai déjà tout lapé ta poche. Elle a sucé ta carte bancaire. Donc vous vivez sur sa carrière et vous vivez sur les poulets. Poulets 3500. Quand il y a les fêtes, c'est 7000. S'il n'y a pas fait, c'est 2500. Même 1500, vous négociez pour les 7000. Vous avez vu un footballeur qui n'a rien. Il était là, il sait qu'il n'avait rien gagné. Pas il était là, il sait qu'il n'y a rien là-bas. Si tu avais l'argent, quelqu'un allait m'appeler. Allô, Leslie, pardon. Il faut laisser Serré dire, ouais, c'est mon vieux père Leslie. Moi, il te prend 5000 euros, il faut te taire. Tu n'as rien. Vous voulez vraiment de il y a juste une. Tu n'as rien, mon frère. Ta vie est finie. Tu n'as que dalle. Il dit que tu n'as rien. Tu ne peux pas rester ici en Europe pour être entraîneur. Donc ta carrière de. Oui, ce qui me fait mal, c'est que ta carrière de football est terminée en fait. Va travailler. Voilà les Daizoko. Ils deviennent des quoi de l'UNICEF. Ils font les écoles. Voilà Magic System. Aujourd'hui là, ils ne sont pas trop artistes, mais ils font des grandes choses. Ils font les fermiers. Toi, tu fais quoi? Comment on peut entendre que de footballeur, tu passes à élever le poulet, mon frère? C'est la malédiction. Et puis c'est pas grave. Petit poulet ont fait. Même les poussins, ils ont lapé les poussins. Vous êtes déjà arraché tous les yeux des poulets. Je suis parti au Togo, mon frère. Je suis rentré dans la maison. De chez à des bailleurs. Mon cœur a fait boum. Et puis on t'a dit, Leslie, c'est pas ça. On t'a dit, Leslie, c'est pas sa seule maison. Tu as vu, il a posté ça demain. Il y a une vidéo même là. Il faisait même allusion à toi. Il a posté ça demain. Et lui, pendant ce temps, il y a des gens qui lèvent poulet. Sa maison où le soir, ses amis font barbecue. Il n'y a pas de maison où il dort. Mais on a des bailleurs. Frère, tu n'as même pas une maison à ton nom. Tu, apparemment, quand tu as gagné la Coupe d'Afrique, là, le président de la Côte va donner une maison chacun. Ou bien c'est des terrains. Tu as pas où a vendu pour faire les poulets. Tu as vendu ta maison. Oh, crions sur lui. Capitaine de poulet. Capitaine de poule. Capitaine de poussin. Il n'y a plus rien. Tes amis footballeurs, quand ils laissent, ils arrêtent de jouer dans une équipe nationale, ils sont en train de jouer dans les pays comme la Chine, la Turquie, Dubaï, en train de jouer bon Dieu là-bas. Toi, tu as joué une seule Coupe d'Afrique. Bah, ta carrière est mort.
Mais tu ne dois pas réfléchir que c'est la malédiction. Tous les jours, quand Ali est en train de souffler à ses enfants, en train de pourrir, parce que les enfants sont encore bébés, en train de pourrir ses enfants pour les envoyer à l'école, et il pleut, elle est ses enfants, elle est ses enfants comment elle appelle ça? Elle est ses enfants au parc, tous ceux sont les papas. Le pantin remue les fesses d'anciens gars de bijoux, les papas en train de se mougou là-bas, les pantin lever poulet, les papas en train de foutre n'importe quoi. Avant de mougou, mais tes pas qui sont des. Ton cou est long. T'es pas qui sont des coucou qu'on a dit pour ça. Non, je ne sais pas. On va écouter. Toutes les femmes sont indignées. Moi-même là. Je voudrais vous dire bonne nuit. Mon mari va se reposer à toi. Comment ça, là, je gueule. Ton mari dort que c'est ton gars. C'est ton gars. Une petite excuse qui est en train de mougou la vie d'Abidjan. Maintenant, moi, tu le fais pitié. Il sait que si t'as laissé folie, va te prendre. Il y a demain, il a laissé l'autre avec 5 enfants. Toi, va te laisser avec 10 enfants. Attends. Tant que c'est dit d'avoir des 10 ans, pas la moi, mais des 10 en même temps. Faut la marier, tu la mets en confiance. Tu, Yeri, tu la zoyo, tu l'enlèves 10 enfants, mais 5. Elle te fait une équipe de football, tu t'assois. On voit qu'il va la prendre. 2 enfants, c'est pas comment tu es déformé. Tu n'es pas capable de te faire une belle, même pas chirurgie, mais attacher ton ventre. Ça veut dire que même laver ton. Appuyer ton ventre à l'eau chaude. Moi, il m'a appuyé à l'eau chaude quand mon ventre est rentré. Mon ventre était gros quand il a couché. Ils ont attaché, ils ont appuyé à l'eau chaude. Puis mon ventre est revenu. Tu n'es pas capable de laver, appuyer ton ventre à l'eau chaude pour appuyer. Pourquoi ton ventre descend tellement tu es pressé de. Tu as mis les bénéfices d'habillage, comment ils sont chocs. Garçon, vieille pas haut. Tu vas capir là. Il ressemble à quelqu'un qui a 18 ans. Il ne va pas vieillir, c'est un sportif. Oh, toi, tu ressembles à quelqu'un qui a 50 ans. Lui ressemble à quelqu'un qui a 20 ans à côté. Maintenant, toi, tu es là. Ventre en train de tomber. 2 enfants. Ton ventre en train de tomber. Regarde Aline. 5 enfants. 5. Elle a encore kengereke. Et puis, elle voit des djandjou. Elle dit Lélé est mieux que Brise. Mais ma chérie. Si c'était interdit, on allait tous déjà avant que. Lélé est mieux! Mille fois que voleuse de mari! Par exemple, dans l'Eléa là, quand tu t'en voles, garde quelqu'un, tu mets un gros quelqu'un qui n'est pas pour toi là. La foudre sur toi! Et moi, des bêtises, moi, un galère, mon gars va nager quand on va venir en Europe. Dans la galère, mon gars va venir s'amuser. Tu t'amuses, mais tu vas au Nigeria. Et tu ris toi. Et tu vas au Burkina. Il va lancer soit à ton compte, il faut lui te prendre. On l'a levé là-bas. Oui, oui. Même dans l'Eléa là, on galère nos gars aussi. Des bordels comme ça, une chienne, elle arrive ici, une bordel, elle arrive ici. Elle a vu, comment elle appelle ça? Elle me connaît pas, elle n'est pas attendue, elle est sûrement sur Facebook. Elle a vu Diadan, vous savez les trucs, quand tu as tes papiers là, où tu t'en fais, comment on appelle ça? Intégration. Là. C'est là-bas, elle a vu Diadan, m'a posé, Diadan, elle a fait comme si on ne sait pas dire. Après, elle dit, ah, je suis l'esprit et tout ça. Diadan, elle me parlait de la fille, elle a dit, mais comment on va d'intégration, elle me fatigue, ça bouge sans que la fille est vilaine. Elle a nez coupé comme ça. Et puis moi, j'ai rien dit, oh, laissez-moi te draguer un peu, j'ai le mari de 5 étoiles. Maman, ils allaient voir la fille, m'a insulté sur la toile là-bas dans, en bas des commentaires d'une fille qui a dit elle me connaît. Mon teint, ça peut-être je l'ai jamais vu. Peut-être qu'une fois, parce que quand Dia et moi on partait en ville, elle a salué Dia. Moi, je ne calcule pas les filles quand je suis dehors. Si elle connaissait Dia quelque part, il se salue. Puis Dia me dit, elle dit Dia, c'est qui? Elle dit non, c'est la fille qui a fait intégration. Elle m'a insulté quelque part là-bas. Maman, des bordels, ils ont aussi beaucoup quand ils voient Dia. Même dans quoi ils ont dit où, il va, où Dia va travailler. Ils sont comme ça. Dia, jamais déposé. Elle fait comme si elle ne connaissait pas les des gens, vous êtes allés, vous voulez qu'on l'a possible au crypto ici dehors. Vous voulez qu'on regarde. On aura même belle de qualité, mais il dit non pour gifler mon pétou. Lélé, tu parles aussi de José, ma chérie. Tu connais la série de José? Tu connais qui elle est? Elle qui est mousse, on a son CV, on a envie de la salir. On dit qu'elle a redonné le mari des gens. Ou elle va fermer sa gueule, elle va mougou dans l'obscurité. Une qui adore rester dans l'obscurité, tranquille. Voilà. Dans Lélé, on est déjà, ça fait 8 ans dans le foyer. On n'a pas dit qu'on s'est légalisé ici en Bengue. Mais vous là, vous avez 8 ans de Kizaya, 8 ans, et puis il ne faut pas, vous supportez quoi? Moi je suis fan de José, j'aime sa musique, mais je ne suis pas d'accord le fait qu'elle brise un couple, et il y a des enfants qui sont sans leur père pendant des années. Vous voyez ce que dit à ses enfants? Est-ce qu'il voit, elle peut venir en Suisse? Est-ce que vous le voyez, je vais aller en visite à ses enfants? Moi il la déteste pas, il dit que c'est une voleuse, quand tu voles un peu, tu laisses un peu pour ta rivale, tu voles un peu, tu dis ne va voir tes enfants, mais tellement même qu'elle, c'est quelle qualité d'église tu pars? Parce que ta mère spirituelle a fait vidéo, elle dit qu'un homme qui laisse sa femme de galère, c'est un maudit. Hein? Non, laisse pas, elle laisse pas. Un homme qui laisse sa femme de galère, c'est un maudit. Toi, tu sommes un homme, même s'il n'est plus, même s'il est divorcé sa femme. Plus de 1 an. Ici en Europe, il y a les vacances scolaires, il y a les vacances de Noël, il y a les vacances de ceci, il y a les vacances de fin d'année. Un homme fait même plus cher ses enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est collé dans tes fesses là-bas à Abidjan. Hein? Il est collé dans tes fesses là-bas à Abidjan. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas on n'a pas ça, non, mon mari va aller, mais on va l'écouter une dernière fois. Quoi, je m'en bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir, oui. C'est José. Je voudrais vous dire bonne nuit, mon mari va se reposer à dormir. Hein?
Tu n'as même pas honte. Tu, en fait, tu, ta vie est... Moi, ça, tu me fais pitié, franchement. Personnellement, tu me fais pitié. Parce que, regarde, le Rosine Layo, il y a une autre qui chante très bien, qui est militaire, qui était au conseil des patrons. C'est des femmes qui sont en train d'évoluer dans la musique. Il y a plein de personnes dans la musique mandingue. Hein? Il y a plein de femmes qui évoluent dans la musique. Pendant ce temps, toi, tu es en train de lutter. Comment ton mari va aller dormir? Demain, tu n'allais pas donner riz à haricots au poulet. Tu es en train de lutter. Comment papa et mari de Aline et ses 5 enfants vont aller encore dormir? Tu as enlevé 3e enfant, 4e enfant. Tu ne sais pas où tu es là. Si il t'a marié, tu seras content. Pourtant, le mariage, ça sera un mariage empoisonné. C'est moi qui te dis ça. Mieux tu fais, tu mou. Et puis, elle a dit quelque chose dans sa vidéo pour dire que le gars, elle savait pas qu'elle allait faire enfant. J'ai un bijou. Il y a des gens comme ça, tu sors avec eux, vous n'êtes pas compatibles, mais le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Quel chien enfant, quand est tombé, si c'est le diable, il y a un enfant. Comme quand, donc c'est devenu forcé, ou bien c'est un père, c'est un père porteur. Bah, il y a un mère porteur, son c'est devenu un père porteur aussi. Il vient te mourir, tu tombes enceinte. Quand tu savais que j'avais un problème d'enfant, dès que tu es rentré dans ma vie, il y a eu un enfant. Donc, c'est trop un père porteur. Mais d'abord, tu as eu un enfant, c'est quand ta carrière aussi, c'est bousillé. Tu as laissé ton gars des galets, laissé la femme des galets. Dans votre vie, là, c'est enfant seulement. Enfant, c'est une bénédiction. Mais ma chérie, cherche-toi un mari à toi. Parce qu'on dit une diva. Une star comme ça, tu n'as pas de gars. Non, sérieux. Chacun a son gars. On a tous nos gars des galets. Chacun a son trophée. Si les garçons, il est Léo, il est Oubio, il est Transo. C'est que c'est pour toi. C'est ton gars des galets. Toi, tu es dans le gâteau mariage. Les gens, tu viens d'attendre mon mari. Tu es ta grosse langue. Vieille chouette voleuse, les gars. Tu parles à qui? Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. C'est José. Je voudrais vous dire bonne nuit, mon mari va se reposer à dormir. Hein? Merci beaucoup. Okay. Mais la mère, attends, on peut arranger son mari comme ça. Je vous ai abassé, c'est ridicule. Les deux sont abassés là-bas. Et c'est lui qui me laisse simple. Et c'est lui qui me laisse simple. Bon, je vous laisse. Voilà, c'est pour vous dire que le direct commence à reprendre. Demain, encore m'asseoir sur lui. S'il loue ses dents. Et vous faites écouter, mais où lui est monté sur TikTok là? Avant de couper. Attendez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, les gens mettent les vidéos. Il y a une vidéo aussi dedans. Voilà, il y a plusieurs vidéos aussi dedans. Voilà. C'était plus bien que non d'aller poser José. Non. Moi, il était pas moi. Je viens, Leslie. Ce qu'elle est en train de faire là maintenant, ici, tu vois, j'aurais préféré que tu m'attends. Il ne me laissait pas parler. Hein. Mais voici ici dans le TikTok. Mais voici ici. Il ne me laissait pas parler. Hein. Moi, je pensais qu'il ne me connaissait pas. Écoutez comment il va parler. Donc, je pense que je vais te donner un conseil. Voilà. C'était plus bien que non d'aller poser José. Non. Moi, il n'était pas en train de faire cette histoire. Ce qu'elle est en train de faire là. Je viens, Leslie. Il dit que lui, il avait mes postes. Que c'était plus bien que moi, je vienne dans son inbox. Et je me suis cherché son numéro et elle est trouvée. Qu'au lieu de l'exposer, puis exposer José. Jean, il cherche les gens pour le soutenir. Il faut payer. C'est payant pour te soutenir. Tu as vu qu'il n'y a plus personne derrière vous. Il n'y a plus personne. S'il y a trop de blogueurs sur Facebook, des Ivoiriens. Pas même les Ivoiriens. Les blogueurs de l'étranger, les blogueurs des autres pays, ils ne veulent pas entendre parler de José aujourd'hui. Et gagne plus. Avant José, les Camerounais, les Méodis, José ne gagne plus rien. Un seul concert, puis qu'il y a au Camerounais, ne gagne plus. Sans trafic, elle ne gagne pas. Gabon, José ne voyage plus. Son terminus, c'est Yopou, Gongo, Di, Makori. Elle ne gagne plus concert. Donc, maintenant, vous cherchez les gens. Mais il faut payer même le cachet. Même au moins 5 000, 10 000 euros. Tu es un footballeur, non? Maintenant, tu vois les poulets. Apparemment, il y a un poulailler. Paye. On va l'écouter. Ce qu'elle est en train de faire là, maintenant, ici, tu vois, j'aurais préféré que tu m'appelles. Parce qu'on ne t'a jamais dit que je suis quelqu'un d'arrogant ni mal. Tu m'as jamais appelé. C'est que tu dois comprendre. Je peux t'envoyer des captures d'écran de différents postes. Tu vois un peu. Oui. Mais j'ai jamais. Thomas, c'est un garçon. Un garçon, Jair, il dit que lui va m'envoyer même mes captures de mes différents postes. Il dort, c'est ma gueule, je veux parler les lèvres. Lui et José, les deux sont collés sur le lit comme ça. Avec les longs seins des os, en train de mon direct. Mais là, tu me dis, petite soeur, on cause. Maintenant, je vais donner mon avis.
Non, je vais donner mon avis. Il voulait t'acheter comme il avait les autres. Moi, il ne m'achète pas la bouche. Moi, je m'achète l'argent. Il faut parler à l'argent. Tu étais un footballeur, tu étais capitaine. Non, sérieux, il va te défendre. Il a dit un faux truc, et puis on va te défendre dans le faux. Il va te défendre dans le faux. Moi, vous me donnez Jeff, frère. Hey, les autres vont manger. Moi, non, je ne suis pas maudite, frère. Et quand les gens mettent dans le direct, laisse les six parler. Capi, laisse les... Il dit que lui, il n'est plus capitaine. Il dit que tu es capitaine de poulet, tu es un malot. Lui-même, il rit. Moi, c'est dans mon game. Il dit que. Oui. Il y a ce que toi, tu penses. Et il y a des choses que tu ne sais pas et que tu ne sauras jamais. C'est clair. Donc, si tu es on ne va pas parler comme pas tout. Voilà, alors, mais c'est bon. J'ai envie de parler et puis laisser les autres parler. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que, comme tu le dis, effectivement, dans notre vie privée, chacun fait des choses et tout. C'est comme quand je fais des postes, mais toi, tu n'étais pas un exemple, tu es l'élé et tout. Moi, c'est que déjà, pour ce point, je tenais à dire que moi, je suis en couple, il y a des marmottes sexuelles et ils sont en couple depuis 8 ans. Et c'est pas parce que je vais parler de ton mari de quelqu'un. Non, c'est pas le problème. Voilà! Parce qu'ils sont venus en fait pour me dire qu'il y a l'élé, qu'il y a l'élé. Dis-moi, je suis fier de mon orientation sexuelle et puis pas me voler le mari de quelqu'un. On va écouter. Je ne suis pas rentrée dans le couple de quelqu'un pour aller prendre ça, c'est déjà un. Maintenant, c'était je tenais à dire. C'est que aujourd'hui, tu dis que c'est pas l'éducation d'Aline de venir sur les réseaux sociaux. Parce que tu sais que même si tu fais ou tu fais ouraoua, c'est-à-dire que même si quand José fait des choses ou des trucs pour dire qu'elle est en couple avec toi depuis 8 ans, Aline ne peut pas sortir derrière. Tu sais très bien quel genre de personne Aline non, est. Non. Quand tu vas à la télé, pour dire que. Aline, il dit que dans le direct, elle a dit que Aline ne va jamais venir sur les réseaux sociaux parce que c'est pas dans son éducation, elle est chrétienne. Mais José nous avait dit qu'elle est chrétienne. José avait même dit ici que quand tu avais Snap, là, José est sorti pour dire qu'elle est chrétienne. Son éducation ne lui permet pas. Elle est trop pieuse. Dans 5, c'est moi et Mougoussa, elle a fait un enfant. Dans Je suis chrétienne, elle a fait 2 enfants. Tu viens de dire qu'Aline est chrétienne. Un jour, Aline va sortir parce qu'à un moment, elle va en avoir marre. Actuellement, tu arrives à la manipuler parce qu'Aline a encore de l'amour pour toi. Actuellement, tu arrives à la cerner parce qu'elle a encore de l'amour pour toi. Peut-être tu veux quoi? On va bien fouiller, même tu veux quoi, Aline, que, José là, elle aime non. Elle veut seulement qu'elle la filme. Elle veut dire qu'elle n'est plus à toi. Peut-être que si elle est toi, tu es ma femme de galère. On connaît sa qualité des hommes là. On connaît, moi, papa, devant. C'est bon, c'est bon, vous pouvez jouer ça pour dire qu'il parle pas de l'homme. Il parle ça à lui, puis il parle sur Facebook. Il sait que c'est dans mon game. Il va lui manquer de respect, mais lui dit ce qu'il pense. Voilà, quand tu galères, quand tu ressembles à Fumi Mania, et puis Aline t'acceptait. Aujourd'hui, tu n'as pas ressemblé à l'homme. Hein? Et puis Aline, tu as dit que non, elle accepte ta relation avec José, parce que vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Seulement vous êtes séparés, parce que tu vis en Côte d'Ivoire. Mais quand tu vis en Europe, là, tu fais quoi à José que tu ne vis plus avec la femme, à la maman des enfants, mais tu t'en vas chez elle. Tu t'en vas chez Aline. C'est José qui est ton mouton, elle, là, parce que elle, là, sa carrière est terminée. Au moins, c'est réveillé. Rosine, là, aujourd'hui, là, José fait sortir un son, ça fait même pas 1 million de vues. Rosine, là, est dans les strengths. Elle est dans les 10 millions, les 6 millions, les sons qui sont à quelques mois. Un peu va arriver à 10 millions de vues, elle est à 6 millions et quelques. José fait combien de millions de vues? Elle fait même plus la publicité de ses sons. Avant, José était dans sa pub, elle est dans sa carrière à outrance. Aujourd'hui, José fait même plus. Elle fait même plus des millions de vues. Regarde les sons de Rosine Layo, capitaine des poulets. Va sur YouTube, tape Rosine Layo, et puis tape José. Tu vas regarder un peu. Sa carrière est merdique. Vous ne vous basez même pas sur sa carrière. Elle n'arrive même pas à remplir le conseil. Moi, vous avez dit qu'elle la déteste, elle la déteste pas. Je l'adore, je chante très bien. Mais à force de Mougou et toi, elle a oublié son pourquoi de comment. Quand elle ressemble à beau flotteau. Et puis David Tayoro est en train de la mousser là. Aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Elle est la seule femme qui fait du business. Je prends un exemple sur Emma Loès. Emma Loès a fait un enfant, un homme aujourd'hui, le gars est marié. Mais regarde Emma Loès, comment elle est rayonnante. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire partout et pas dans le monde. Ouais. Mais pourquoi José qui se fait appeler Diva de Kiza, elle est plus Diva de musique. Hein? Diva de Kiza, elle n'arrive même pas à faire un voyage aux États-Unis. Elle n'arrive même pas à faire un voyage au Burkina. Même pas au Togo ni au Mali. Elle est terminée sa carrière, c'est entre poulailler. Un chef à production et puis t'es test à croire. On parle de ça, vous voulez dire que non, tu es l'élé, mais l'élé n'est pas mieux que gâter même sa propre carrière, elle a gâté sa carrière, José. Elle a gâté sa propre carrière. On parle de ça, vous êtes étouffé. Elle a bousillé sa propre carrière. Entre les poulets, un chef à production, elle est test à croire des capitaines de poulet. C'est ça qu'on vous parle? Aïe. Je sais, Coran, oui, papa, ne me coupe pas, s'il te plaît. Quand tu dis que, quand tu vas à la télé pour dire que. Aline et toi, c'est peu. Au fait, tu ne dis rien aux Ivoiriens. Et derrière, José est en train de dire que vous êtes ensemble, ça fait 8 ans. Quand les gens comptent, et quand derrière ça, tu dis que non, elle ne savait pas, c'est compliqué au fait. Maintenant, quand tu dis que elle est appelée et ton numéro, tu sais que tu as une personnalité publique. Moi, depuis cette histoire a commencé, je n'ai pas encore déposé ma caméra. J'ai juste peut-être fait 2-3 postes. Mais tu dois aussi savoir que tu as une personnalité publique. Au fait, moi, je suis mariée. Il dit, moi, de rentrer dans son téléphone. Elle est dans son téléphone, pourquoi? Quand on aime, là, on bousille. Quand on aime, on te donne conseil qui te sonne. Moi, souvent, mon mari me parle qu'elle pleure. Je ne sais pas, j'ai plus resté à ta paille, c'est que le conseil qu'il a donné, ça rend boulé. Quand quelqu'un t'aime, là, il te donne les conseils qui a te fait pleurer. Quand José va écouter, elle va écouter ça là. Elle va reculer, dire l'esprit a raison. Hein. Regarde Rosine, José te donne pas exemple. Regarde Rosine Layo qui vient de commencer. Il y a la Camerounaise qui vient de commencer. Oh yo!
La vie, c'est la chance. Elle vient de commencer. Hein. C'est des gens qui ont pris l'exemple sur toi. Deux musiques, il y a des millions de vues. C'est des filles qui vont prendre 10 de platine. Je l'ai dit, ça là, c'est dans le poulet, elle serait dit là. En train de compter les poulets de 2500, 3000 là. Et puis, Rosine là, elle va prendre 10 d'or, c'est moi qui t'ai dit ça. Parce que rien, c'est. Elle va prendre les 10 de platine. Regarde ses vues sur YouTube. Regarde ses vues. Toi, tu es là, c'est moi qui t'ai la femme qui est gars. Ou bien tu es la femme qui est Kiza. Hein? Tes camarades artistes là, elles ont gars, elles sont Kiza, elles sont bordel, elles font tout. Mais elles se concentrent sur leur carrière. Tu t'oublies. Tu es venu à Paris, c'est les gens travailler sur toi. Tu veux parler, pas ils vont te toucher. Ben, tu penses que le gars va trop te marier. Depuis, il a fait 8 ans, il n'a pas encore marié, ne pose pas les questions. Une artiste, une diva comme toi, normalement, quand il te mouvre une fois le lendemain, tu vas à la mairie. Il avait un enfant, deux enfants, tu n'es pas encore. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Votre tombé, tu n'es pas encore marié, tu ne poses pas les questions. Hein? Tu ne poses pas les questions. Sa carrière de football, un capitaine n'est même pas, se serait pas retrouvé dans une équipe en Turquie ou bien chez les Arabes là-bas. Il s'est retrouvé en train de lever le poulet. On parle de ça, ta carrière merdique, une femme qui a de là. C'est-à-dire que tu sais chanter comme du n'importe quoi. Tu as du talent. La blogueuse qui veut s'asseoir. Pour dire à Madiva, tu chantes bien, mais tu chantes bien là. Quand il y a ton conseil, ceux qui sont là-bas, ils vendent combien de tickets? Tu es capable, José, on dit, tu es fait Félicia. Comment tu te compares à Arafat? Arafat, son rêve, c'est de faire Félicia. José, toi, tu devais gué Félicia. Tu devais gué Félicia. Je te prends un exemple. Sur un couple malien, Bigini et Palmer. Bigini, c'est une chanteuse malienne qui était mariée. Son mari a pris deux femmes, elle est partie. Et c'est marié un jeune homme qui s'appelle Palmer, ils ont un enfant aujourd'hui. Mais ils vont, aujourd'hui, la dernière fois, ils sont au Libéria. C'est le président du Libéria qui est à son concert. Pourtant, tu l'appelles, tu ne la connais pas. Peut-être que tu n'as jamais entendu sa chanson. Mais elle est partie tellement que ça pète dans sa vie là. Elle, son gars, hein. Et puis ils font concert, ils font le tourner là. C'est le président du Libéria, monsieur Georges Roya, qui était à leur concert. Tu as compris, ce n'est pas stade. Tes amis évoluent. Tes amis là, ils évoluent. Regarde les artistes de sous-région. Peu importe avec qui, Mougou, les maris, même c'est des guitaristes. Il y a une autre, on appelle Marie Mba. Même, ils sont en train d'évoluer. Ils vont aux États-Unis faire des concerts. Pendant ce temps, on a une diva qui parle en français, qui chante en français. Mais sa vie, c'est de Mougou avec le papa de Marie de quelqu'un. Et il dit, mon mari va aller dormir. Mais pendant ce temps, tes frères, les carrières sont en train d'avancer. On parle de ça, on dit que non, on est jaloux. On la déteste, on lui donne des concerts. Il faut qu'on l'allume dans ses oeufs, ça rentre. Si elle gagne 10 dollars aujourd'hui, c'est fierté de toute la. Hein? Si aujourd'hui, là, je lui gagne 10 dollars, c'est fierté de nous, les Ivoiriens. Mais là, si il n'a même pas des millions de vues, Rosine l'a été la dépasser. Et puis vous, les blogueurs, quand on paye 100 francs, 100 francs, vous êtes arrêtés. Non, oh, on aime ça, pas que c'est ta femme. C'est ta femme, on ne parle pas de ça. On parle de sa putain de carrière musicale. D'accord? Je vais m'arrêter là, je suis super fatigué. Si on s'attrape encore demain à 20h, il y a dit encore ce qu'il pensait. Qui vous donnez pendant une. Demain là, il y a chargé le téléphone, vous allez donner votre avis. Sur ce, ciao, ciao.